Hello, bonjour. Je vais parler aujourd'hui du site Archwell Darye Megan. Comme vous savez, c'est un site qui a été lancé il y a quelques mois de cela. Et au départ, on avait une page sur laquelle on devait s'enregistrer. Puis ensuite, un mois ou deux après, on a eu une page qui nous montrait un message donnant la ligne directive du site internet. Aujourd'hui, on a un changement de design sur le site internet. On a plus d'informations. Nous avons une page sur les histoires de toutes les personnes qui ont collaboré avec Meghan Markle, les histoires de certaines familles qui ont bénéficié d'aide des charités avec lesquelles Meghan Markle, le prince Harry, travaille. Il y a d'autres articles sur la santé, le bien-être. Il y a certains articles qui ont été publiés déjà dans d'autres magazines qui sont republiés sur le site Archwell. Et je trouve ça magnifique, c'est très très beau. Malheureusement, c'est en anglais, on n'a pas encore la version française. J'espère que d'ici là, on aura une version française. Ce que je vais essayer de faire, c'est si lorsque par exemple il y a une histoire sur ce site, je vais essayer de traduire, ou alors une interview d'ailleurs du couple du prince Harry, je vais essayer de traduire ça pour en faire une vidéo, pour qu'on puisse aussi en bénéficier. J'aime bien le nouveau design, j'aime bien l'idée derrière. Je pense en fait qu'ils vont utiliser ce site internet comme une sorte de plateforme sur laquelle ils vont publier le travail, que ce soit de Harry et Meghan, c'est-à-dire quand ils donnent des interviews, quand ils écrivent aussi des articles. Le prince Harry a écrit un article qui a été publié dans certains journaux, dont certains bulletins, et aussi sur le site internet de certaines compagnies. Pareil pour Meghan, lorsqu'elle avait écrit pour le Times lors de sa fausse couche. Donc, il y aura ce genre d'article sur le site. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ils pouvaient même encore pousser un peu plus loin pour faire de Archwell une plateforme sur laquelle ils mettent leur contenu, c'est-à-dire les histoires dont ils veulent parler et peut-être s'ils veulent discuter de ce qui vient de sortir par rapport à leur actualité. Et ce serait vraiment bien. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Les couleurs sont bien. Il y a une nouvelle photo de Meghan Markle et de sa maman sur le site aussi, qui est très mignonne, mais c'est un peu flouté, on voit encore. Donc c'est un site qui est très bien fait. J'invite tout le monde à y jeter un coup d'œil. Même si vous ne comprenez pas, vous pourrez apprécier peut-être le design, les photos, ainsi de suite. Hein. Voilà, en attendant bien sûr qu'on ait un article que je puisse traduire et que je puisse vous mettre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que bien sûr ce n'est pas en français et que c'est ça qui pose problème, mais bon. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.